action. Le gars, c'est mon malo. Ah, du bon, non? Ah, du bon. Ah, bah, hey, alors, ça ment pas. Hein. Toujours venu décaler à toi. Ah, ouais, mais tu vois du bon mouvement. Okay. Ouais, tu as le las. Ouais. Mmh. Vas-y, décalé. Relation tranquille. Ouais. Ouais. Go, Lion. Ouais, Lion, il est là. Attendez là-bas. Qui appelle Lion comme ça? Lion, Lion, Lion. Oh, je veux la douce. Hé, hey, mon frère, tu te calmes, c'est quoi ça? Hein? Yo, Lion, c'est qui ça encore? Hé, hey, recule. Oh, reste cool, mon gars. Voilà, là-bas, c'est si tu veux voir quoi, Lion, elle m'a acheté. Lion, il est là. Lion? Quel Lion? C'est elle Machete qui est là. Ok, Machete. Ouais, c'est qui est le boss? C'est Lion Machete qui est là. Le roi de la forêt, oh. Okay. Le boss. Le boss. Hé, Lion, c'est comment? Ne fais pas ça, fiston. C'est la moustique. Pourquoi hey, faire ça? Moustique. Yo, toi aussi. T'as pas moi? Ouais, t'as bon mouvement pour moi, non? Ah, toi aussi, toujours, oh, Pilatio. Oh, bien prêt, les gars. C'est quoi? T'es venu, hein, t'es petit. Ok, à Padra. On va faire ça, chap, chap. Il faut donner des conseils à ton moro. Hein. Hey. C'est quoi ça? Eh, hey, baby, ça. Et bien, si, eh! Eh! Faut te calmer. Épilez, les gars. Épilez, eh! Bachette, tu as quel problème? Moustique. Faut dire à ton frère. Non, pas moi ça. Donc, à se calmer, vous vous calmez. Attendez, les gars, doucement. Attendez, va vous envoyer. Mets-la à côté de moi ici. Sinon, moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un te manque de respect. Mets-la à côté de moi ici. Elle m'a acheté. Et ici, là, tu l'as manqué. Tu as pris, non? Dégagez. Et vous n'avez pas trouvé. Il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quel. Comment? C'est quoi? Elle m'a acheté. Les moustiques comme ça, là, c'est pas bon. Viens tester là, viens tester là. Donne le feu là, donne le feu là. Donne le feu là. Viens tester avant de rester cool. C'est de la bonne huile. Dis à ton moment de rester cool. Lion! C'est pas parce qu'on appelle mon moustique. Tu es parti à Hollande ou bien? C'est pas de la Jamaïque. Avant le jet. Moustique, arrête de parler, je sais que t'es Josie. Faut fumer. Prends un peu. Ok, cool. Tat. Moustique. Voilà ton dieu là. Mon petit, faut sciencer, on va aller bara. Faut sciencer, on va aller bara. Tiens. On va aller fabriquer l'argent. Ça, c'est vrai. Oh. Augmente la valeur. Oh, Lion, c'est pas parce que tu m'as donné bon skunk. Mais attends, mais tu sais que c'est bon, non? C'est bien foutu ça. Tiens. Ok. Maintenant, tu me réserves un bon loyer, allez travailler. Eh les gars. C'est bon, hein, c'est bon, hé. Hey. Ah, bah, allons travailler, allons travailler. C'est quoi ça? Vous pensez, c'est quoi? Allons. Sortez du ghetto, allons travailler. Hi. On va fabriquer l'argent. Allez, allez-y. Allez-y. Patra. Moustique, allons. Ouais, moustique, après, on vient. Ouais, après, voilà. Après. Faut me réserver mon ken là. Ah, t'inquiète, voilà. Je vais gérer ça pour toi, hein. Elle m'achète, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est moustique. Lui là, il a les vraies opérations, hein. Mais il est trop jaoli. Non, c'est un petit bizarre même qui l'est venu. Ah, le boss. Ouais. Voilà, la recette de la semaine. Hein. Tout ce que moi et puis Fata. Voilà, attends, tu es un bon. Voilà, attends, tu barres. C'est bon. Regarde, c'est demain. Faut pas oublier l'autre côté. Hein. La fois, le boss. Ouais. Il sait que tu es. Tout ce qu'il a là. Elle m'a acheté. Ouais, je dis. Elle m'a acheté. Ouais, il t'écoute. Mais tous les jets là, tu. Mais attends, toi-même, quand il te parle là, même, pourquoi tu es comme ça, même? Il te dit actuellement là, on doit gérer un autre ghetto. Il te mettre là-bas. Faut te calmer ou bien. J'aime trop l'argent. Ça dure trop, man. C'est quoi ça? Il te parle et puis tu parles quoi? Il n'aime pas ça. Hein? Faut pas tu travailler, même. Va travailler. Va encaisser les moraux là. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Même si c'est un petit 20 000 là-bas, ou bien. Moi, j'aime pas ça, là. Tiens. Elle m'a jeté! Faut pas tu va. Yeah, elle m'a jeté! C'est toi qui es là, il t'en a embé. J'ai dit d'aller travailler, tu n'as pas entendu. J'aime pas ça là. Bon, les gars, on se reprend, non? Tranquille, à tout à l'heure. Là même, là, il vient chercher à le changer, mais parce que son comportement est déjà là même, j'aime pas ça. Tu dois gagner là, tu fais perdre l'argent. J'aime pas ça là. Parce que c'est... Eddie, les gars, c'est ça, on tombe là-bas, on prend tout. Y'a rien. On prend tout.
Hé, hey, madame, couche-toi, hé. L'argent, je viens de ce viol, c'est quoi? Hé, oh. Hey, les gars, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est où l'argent? Donne-moi de l'argent, je viens de ce viol. Hé, oh, dépêche. Donne l'argent, tu viens de ce viol. Donne l'argent, s'il te plaît. Dépêche-toi, donne ici. Faut que je mets dans la poche. T'as quel problème? S'il te plaît. Dépêche-toi, y'a quoi? Et les bijoux? Non, pardonnez, s'il vous plaît. Oh, dépêche-toi! T'as quel problème? Allô, allô, on se bat. Hé, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Monsieur le commissaire, nous avons séquestré les deux bandits et les autres se sont enfuis. Et je pense qu'on a blessé un, mais je ne sais pas vers où il est rentré. Donc viens rapidement, afin qu'on puisse voir sur le carrefour littéral, vers, en allant vers ce Bakou, sur le carrefour du Roche Baboué. Ok, dépêche-toi rapidement mon commissaire, afin qu'on puisse retrouver ces deux autres bandits qui se sont enfuis. Ok, mettez 5... Position A, barré, chez le Kangis Zadou. Lieutenant officier Bakou Bakari Sayan Bakatifor. Ok, 5-5. Merci. Ah oui, 5. L'eau chaude, versez sur lui. C'est fini ça, c'est fini pour lui, c'est fini. Il a mangé de la tomate. C'est fini ça. C'est fini. Ok, tout à l'heure je vais l'appeler le commissaire. Mais il arrive tout à l'heure, on fait le constat et puis on va comment on va les évacuer. Mais les deux autres, on doit forcément les arrêter. Le sergent. Oui. Okay. Tout à l'heure, on va rapidement voir comment on peut séquestrer les deux autres. En fait que celui-même dont on a tiré sur son bras, il a laissé son âme, mais on ne sait pas où il s'est enfui. Donc je pense que nous allons encore. Voilà, mais une personne reste parce que le commissaire arrive déjà. Okay, et une personne reste, donc je pars avec toi. Officier Gaou, officier, ouais, hey, officier, ouais, je suis dans l'intervalle A3. Ouais, j'arrive tout à l'heure. Tiens, c'est pas facile, hein, le mouvement là. Bon, c'est ça, il est pas arrivé ici. Le quoi? Tu penses que moi c'est un policier corrompu? Je suis un commissaire moi! Plein! Commissaire Njo! Jésus au secours! Ouais, Jésus comment? Ne me tue pas! Ouais, t'as quoi sur toi là-bas? C'est une arme? Prenez! C'est quoi ça? Prenez, je vous en prie! Prenez. Dépose ça! Prenez! Dépose! Prenez, je vous en prie! Ne me tue pas! Ceux qui ont crié sur toi, ils savent que t'es lancé toi? Non! Ils savent pas? Ils savent pas! Ok! Ils savent pas! Ne me tue pas, je vous en prie! Je vais pas te tuer! Ne me tue pas! Je ne veux pas te tuer! Ne me tue pas. Tu l'as fait, moi. Ouais, pour ton pied là-bas. Ouais. Y'a quoi dans le sac là-bas? Y'a rien. Y'a rien. Putain. Ouh.
Attends, il n'a pas fait du sang ici. Il n'est pas vieux. Vous n'avez pas bien volé là-bas. Il n'a pas volé là-bas. Allô. Allô. Ouais, officier Gawa. Tu as laissé le voleur partir par où? Mais vous ne valez rien. Vous ne valez rien, je vous dis, vous ne valez rien. C'est la façon de vous comprendre ça. Je vais vous renvoyer. Avez-vous votre machette? Je suis à côté, sur l'axe de tout ça. Ah, mais c'est comme ça, je suis là. Oui, oui. Ok. Fini, 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 fini. Mon commissaire, c'est là-bas. Oh, fini, fini, c'est là-bas comment? Je suppose que c'est par ici que le vieux s'enfuit. C'est sur l'axe que je t'ai indiqué. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais tu transpires comme ça, le commissaire. J'ai poussé le voleur. Ah bon? Oh putain, il m'a échappé. Tu l'as pas eu? Non, non. Oh merde, Seigneur! Il m'a échappé. Justement, c'est là qu'il est passé. Il m'a échappé. Ah bon? Mais comment il était blessé? Comment il t'a échappé? Il était blessé vers où? Ah, j'ai tiré son bras. Bras à ses pieds. Bras à ses pieds. Fallait tirer ses pieds, il n'allait pas courir. Il avait déjà perdu l'équilibre. Équilibre. C'est lui qui avait la sou. Toi, tu sais s'il fait sport ou bien s'il fait pas sport. Ah, mais moi, je sais pas. Alors? Ah, mais comme ça, tu as été formé pour ça. Mon commissaire, vous n'êtes pas blessé. Oh, mais où tu transpires? Arrête de me fuir, c'est quoi? Comme ça. Mais c'est normal. Arrête de mettre le commissaire, s'il te plaît. À vos ordres. Écoute l'officier. J'aime pas ça. Écoute l'officier. J'aime pas ça. À vos ordres. Nous avons déjà raté les voleurs. Alors. Nous avons séquestré deux, ils sont morts. J'aime pas ça. Alors. Arrête de mettre. Commissaire, à vos ordres. Mais je pense que vous êtes. Très essoufflé. Je pense que vous allez vous reposer. Voilà. Ok, merci. Vous voulez le poursuivre encore? Non, on peut continuer. On peut continuer maintenant? Essayez, voyez, essayez, voyez. Allez, écoute, allez, allez, écoute, voilà. Je dis maintenant, hein? On peut continuer? Non, ça va, ça va. C'est loin, versé. Écoutez, tu veux qu'on la lape avec notre tour? Hein? On n'a rien. Serré. La marmite est versée. Serré. Le riz. Allons-y, s'il vous plaît. Ok. Mes respects. Ok. À deux pas, on vole. Il est parti vraiment, hein? Ouais, il est parti. Allons-y, allons-y, allons-y. Oui. Allons-y là-bas. Allez-y, je vous rejoins. Ça, c'était le calais pour commencer. Hey, wow. Allez-y, je vous rejoins. Je dois appeler. Je vais appeler le ministre. Je vais faire un rapport. Mais monsieur le commissaire, aidez ça, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Il faut qu'on puisse appeler le grand commissaire. Oui. En fait, l'annoncer parce que. Oui, ils ont déjà fait les rapports. Oui. En fait, que les deux autres rondards puissent appeler l'ambulance pour venir les chercher. Oui. Donc, si vous pouvez l'appeler. Si t'as crédit, faut appeler l'ambulance. Si t'as crédit, appelle l'ambulance. Il n'y a pas de problème. Appelle. Tu es un officier ou bien t'as pas un officier? Il n'y a plus l'eau de l'argent. Tu veux pas me souffler? Merci, après. Alors, moi, j'appelle le ministre là pour lui faire un rapport. Et puis, je vais voir le rapport sur mon bureau tout de suite. Il n'y a pas de problème. Tout de suite. Allez-y, 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 allez loin. On ne sait rien de la vie. Depuis le matin, mon fils est sorti, le prince, il n'est pas encore rentré. Je ne sais même pas où il est parti. J'appelle, il ne décroche pas, je ne sais même pas ce qui se passe. Myriam, maman, m'a apporté de l'eau. Mais le prince est sorti et sa soeur jumelle, elle aussi n'est pas encore rentrée. Pas encore, moi. Maman, va dans la chambre si sa jumelle est là-bas. Parce que pour le petit, il n'est pas encore rentré. Je suis très inquiète. Va voir et tu viens me dire si elle est là. Ok, maman. Et maman, quand tu ne vas que dormir, ton frère est sorti depuis, il n'est pas rentré. Il sait que les gens ne l'aiment pas dans ce village. Le dire que tu mal de lui. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller le chercher. Puis tu ne vas que dormir. Qu'est-ce qu'il ne va pas être? Pourquoi pas de lui d'abord? Elle est où celle-là? Qui? Ah, c'est elle est là. Elle est là. C'est elle qui m'a donné le mot. Mais c'est pas ce que vous voulez. C'est elle qui m'a donné. Elle est là. Appelle-la. Oh, mamie! Maman! On va le rebeller. On va le faire. Merci. Assis-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon office. C'est un vrai cancer. Il ne fait que faire que de mauvaises choses. La dernière fois, il était avec un de ses gros bras. Mais laisse tomber, tu vois, le gars m'endrait une arme. Devant la maison, il a fait appeler une jeune fille avec son copain. Mm-hmm. Donc, il allait prendre la fille. Mm-hmm. Il a fait envoyer son garde-corps pour aller chercher la fille.
dans le gros bras. C'est son père qui l'a donné ce gros bras comme garde de corps. Tu sais pas ça? Justement, je suis pas au courant. Ah si, c'est son garde de corps. C'est son père qui l'a donné pour le protéger. Parce que tu sais que les gens ne l'aiment pas. Pour qu'on l'agresse pas. Donc, ah, mais qu'il arrête ces histoires de brigandage. Oui, mais on va l'aider. À faire quoi? À changer. À mon moment, je suis fatiguée. Tu es sa soeur jumelle. Mais j'ai trop parlé. Et si là, tu ne fais rien, qui va le faire? Non. Mais tu dois l'aider. Il n'a qu'à changer. Les soeurs sont là pour ça. Tu dois l'aider. Moi, je suis la maman, je parle, il ne m'écoute pas. Mais toi, moi, tu es sa soeur, il doit t'écouter. Quand tu fais une voix, tu lui parles. Ce n'est pas en l'insultant, le grondant que ça va changer. Mais prends-le avec ruse. Tu comprends? Et il va t'écouter. D'accord, maman. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Donc, tu vas sortir. Essaye de voir si tu peux le trouver. Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup. Hey. Ah. Fais un effort, s'il te plaît. Non, vraiment. Pardon, fais un effort. C'est ton frère jumeau. Mais toujours, c'est lui, mon chat. Parce que si tu as juste une frappe aussi, vous ressentez les mêmes choses, les mêmes douleurs. Fais un effort, pardon, ma chérie. Fais un effort, ma chérie. Fais un effort, s'il te plaît. J'ai compris. Ouais. Je vous attends, mais je suis là, je ne sors pas. Je vous attends. Sérieux. Ouais, très bien. Tu m'as manqué, hein. Toi, tu regardes. Okay. Il faut retenir, retourne ta tête là. Tu m'as manqué deux jours là. T'es manqué là. Mmh. Tu vois ce gars là, mmh. C'est mon deuxième gars de corps. C'est bien. L'autre là, en forme, le gars que mon papa m'a donné pour le village. Lui là, il est dangereux. Hein. Tu as vu, c'est mixte. Mmh. Regarde tout ça. Mmh. Vu mmh. Il est bien là. Mmh. Voilà, il va faire des coups pour moi dans le village. Là, tu es dans mon royaume. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Si tu vois une femme, tu manges quelque chose en train de manger, tu peux l'arracher pour manger. Tu dis que tu es la copine du prince. Tu vois un monsieur qui garde sa voiture, tu dis dépose-moi dans tel coin. S'il refuse de te déposer, tu prends le numéro matricule, tu m'amènes. Okay. Tu dis que tu es la copine du prince. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Tant que tu es dans ce village, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Okay. Et puis j'ai une soeur. En fait, je ne sais pas, il n'était pas ma soeur jumelle là, voilà. Elle est effrontée. Je ne sais pas si elle est à la maison. Je veux la voir. Tu veux la voir. Je sais pas si elle est frontée. Si elle, tu la vois, faut pas. Si elle parle pas, tu te tais. Faut pas, même pas lui répondre même. Parce qu'elle là, elle cherche des occasions comme ça là. Pour toujours m'insulter devant les gens. D'accord. Mais si elle m'insulte devant toi, tu dis rien. Voilà. Ok. Merci, maman. C'est ma soeur jumelle. Ça veut dire que quand voilà pourquoi elle a fait ça, je t'ai dit, n'aie pas agi. Faut pas t'occuper d'elle, tu es là, tu travailles pour moi. Mais le boss, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, mais elle est venue, elle a enlevé votre pied sur la table. Et puis quoi? Mais c'est pas normal. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Le boss, même si c'est votre soeur, nuit à votre réputation. Hein. Peu importe, celle aussi, c'est sa réputation. Toi, assieds-toi là-bas. Ah, tu peux prendre la défense de qui? J'étais trop frappé là, tu pensais pas que j'ai devenu un gros bras. Ça m'énervait. Et puis c'est qui me te dit là? C'est mon autre gars de corps. Comme l'autre là. L'autre là, il est envoyé en mission. Donc je l'ai pris pour travailler avec moi. C'est un gars, il est vraiment rigoureux sur le terrain. Dis ton nom à ma soeur. Moi c'est Malik Terminator. 17 fois champion. L'homme qui casse la mâchoire du lion avec la main. Malik Terminator. Et puis de faire quoi avec ça? Moi je m'en fous. C'est un poulet. C'est un poulet. Malik, tu dis rien. Hein? Tu ne parles même pas. Je t'ai dit, n'aie pas parlé. C'est ma soeur jumelle. Voilà. Faut pas parler avec elle. Et puis ce gars-là même là, il doit avoir des antécédents juridiques. Non. Là, tu prends un gars comme ça. Je préfère la machine. Mais la machine, t'es toujours avec moi. Lui là, il est fait venir. C'est moi qui décide. Quand toi, papa t'attribue des gens, les filles, elles font tes cheveux. Toujours oh, sur tes ferme là. C'est moi qui te dis, je ne veux pas voir ta mère. Mais va dire à ta mère que tu as assis ici. Avec ton corps de ses filles. Ah, c'est la jalousie. Happy.
te dit qu'il était dehors là-bas avec ses copines bizarres. Hein? En tout cas, franchement, moi je ne peux plus aller le chercher. Hein. Ah, il est venu, il est dehors. Ah, je ne peux plus aller le chercher. Pardon, appelle-le pour moi. Lui, il m'énerve. Appelle-le pour moi, s'il te plaît. Je ne peux plus, maman. Ah, ok, moi-même, je vais aller. C'est pas grand. C'est mon fils. Oh. Il est bon, il est mauvais, c'est pour moi. Pas parler. Oh, bah, toi, tes femmes, tu as l'argent. Tu laisses-le. Moi, je viens appeler. Laisse tomber. C'est quoi, même? Prince, oh! Prince! Oh, jalouse. Allez, moi, hein. En fait, c'est ma soeur jumelle. Elle pensait que elle se voit un garçon. Tu comprends, non? Elle se voit un garçon. Sinon, tu peux pas venir trouver quelqu'un. Elle sait même pas si tu es ma femme, ma future femme. Hein? Elle jette mon pied devant toi. Ou bien, si au moins elle avait un peu de respect pour moi-même là. Elle sait pas quoi. Moi, j'ai demandé à un moment, moi, elle là, qui est sortie premier. Mais le boss, moi, il t'a dit que je suis là pour ça. Je suis là pour gérer toutes les missions. Dans le village là, c'est moi, il t'a dit fais quelque chose et puis tu fais. Tant qu'elle ne te dit pas, champion attaque. Quand il dit champion attaque, tu attaques. Tant qu'il ne te dit pas, tu fais rien. Tu as compris? Ok, le boss. Voilà. Le boss, il peut faire quelque chose pour vous. Quelle chose? Il a calmé votre soeur. Comment t'as la calmer? Le boss, il a fait quelque chose pour toi. Quelle chose tu vas faire pour la calmer? Le boss, c'est une surprise. Bon, ma soeur jumelle, faut même pas te mêler de quelque chose. Si elle vient me taper, elle fait quelque chose, tu n'as pas à te mêler. Sinon, tu vas retourner où tu es quitté. Et puis, faut plus parler de ma soeur comme ça. Quand tu parles de ma soeur, moi-même, là, ça m'énerve. La machine ne fait pas des trucs comme ça, hein. Tu as compris? Tu as compris? Il était pas là, mais tu réponds pas. Il a raison, hein, c'est ta soeur. Tu réponds pas, il dit tu as compris, faut répondre oui, patron. Oui, chef. Ok, oui, c'est bon. Et puis, donc, faut pas me regarder, donne dos là-bas. Toi, continue de faire ce que tu faisais. Viens, passe comme ça. Passe comme ça, fais le tout. Oui, le boss. Soulève mon pied là, faut le mettre à sa place. Voilà. Ok, arrête-toi derrière moi. Ça va? Tu sens bien? Oui, oui. Attends. Au commandement de ma soeur. Oui. Pas parler de ma soeur, sinon tu auras des problèmes. Ah bon? Tiens ça. Voilà, je t'ai quelque chose à manger. Ok, merci le boss. Ok, merci le boss. Va dans le côté ici là, tu manges. Faut pas aller loin, hein? D'accord, le boss. Ça va? On va laisser reposer maintenant. Oui. Tu as envie, non? Hein? N'étais pas là puisque tu as envie de rire. Prince, oh! Prince, tu es où? Prince, oh! Maman!